Bienvenue chez Alphonse Mello, 19e du nom et du prénom, vigneron de grand-père en petit-fils depuis 1513 à Sancerre. 505 millésimes et ce 2018 absolument exceptionnel. On dit tout a été rentré dans, la même configuration, donc rien à faire, on attend, tout est parfait, tout va bien. Et qu'il s'agisse des rouges ou des blancs, on peut commencer à parler de vendanges du siècle. Je vous dirais un cadeau du bon Dieu. C'est vraiment un très beau cadeau que nous a fait la vigne cette année. Moi, ça fait 28 ans que je m'occupe du domaine et de faire les vins. Moi, je n'ai jamais vu une récolte comme ça. Mon père, qui a encore plus de bouteilles que moi, et pareil, n'a jamais vu ça. Même constat chez Christine Laloux à Thauvenay. 2018 à millésime, de grande qualité et de quantité. Donc là, on est dans le caveau où on a nos fûts pour mettre les rouges. Et donc on a fini l'entonnage ce matin, donc rouge 2018. Donc maintenant, il va rester là pendant un an. On va laisser les fermentations malolactiques se faire à leur rythme. On n'a plus qu'à attendre un an pour voir le résultat du 2018, mais voilà, qui est très prometteur. Alors que l'on met en bouteille le 2017, les blonds 2018 sont encore en cuve et les premières dégustations sont riches en parfums, en sucre et en promesses. Oui, ça devrait faire vraiment de très jolies choses en blanc et en rouge. C'est vrai que cette année, c'est sur les deux millésimes où on a vraiment des choses magnifiques, quoi. Les raisins, l'état sanitaire était parfait. Enfin, c'était vraiment, les raisins étaient magnifiques du début à la fin des vendanges qui ont duré quand même assez longtemps cette année. À Sancerre, le moral des vignerons est comme le temps au beau fixe. L'avenir est prometteur, le millésime 2018 offre des vins extraordinaires, des rouges à garder longtemps, et c'est ainsi jusqu'à l'autre bout de la Loire.